Hey, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va à la Gold Coast en bus. On part de Byron Bay, là où on a dormi cette nuit. On va essayer de visiter un peu. Mission numéro 1 aujourd'hui, essayer de trouver un café pour prendre le petit-déj avant de prendre le bus qui est à 11h. On a 30 minutes là. Ok. Oh mais oui. Bah attends, mais... Par là-bas, ouais. Bah, faut qu'on saute, hein. T'es où? Attends, j'y vais en première, je réceptionne tout. Vas-y. Attends, je dis ça. Oh, on va se renverser sur nous, mais il nous a pas dit qu'on peut pas boire. Si, finalement. Non, il a dit que tu prenais une grosse gorgée, puis après t'arrêtais. Parce que c'est des nouveaux sièges. Ah. Voilà. J'ai acheté un nouveau t-shirt. Après, je pense que ça se nettoie. Hein. Non, ça se nettoie pas, ça. C'est du café, oui. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here. Ah, je suis pas dépaysée là, c'est dépaysée. Bon, c'est ma Vendée, ma patrie, voilà. Quoi. Oui, on dirait Saint-Jean-de-Mont. Saint-Jean-de-Mont, ouais. On est pas dépaysée là, c'est quoi cette terre? Ah, je suis un peu déçue là, quand même. Ah non, c'est beau quand même. On passe du fin fond de l'Australie à la côte touristique. Vraiment. C'est fou cette ville. Tiens, il y a une meuf qui a une Insta 360. Ah ouais. Ah mec. C'est un mec. Vous avez des problèmes avec les sexes des gens. Oui, vraiment. Parfait, parfait. On continue de marcher ou quoi? Bah ouais. Let's go. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be. Wesh. Oh putain. Ah mais elles attaquent là. Non mais elles attaquent. Regarde là, elles nous regardent là. Bon, on est en train de manger, on est en train de se faire attaquer par des mouettes parce qu'elles veulent manger nos frites. Alice, elle a failli se prendre une mouette dans la tête, il y a une mouette qui a volé au-dessus. Ouais, une mouette qui m'a frôlé la gueule. Du moment qu'elle me chie oh, pas dessus, putain, en vrai. Vraiment, je te jure. Mais c'est à quelle heure qu'on s'est tatoué du coup? Là, là. Bah ça a été tranquille.
C'est pas mes affaires, ça. C'est pas mes affaires. On m'a enlevé mon... Ah, mais non, mais... On m'a enlevé mon carton. Mais ouais, c'est pas cool du tout, ça, par contre. Bah, tu les vires, hein, t'étais là avant. Ok, on vient de rentrer à l'auberge, donc on est censé avoir nos lits. Pourquoi j'ai des affaires qui sont pas à moi sur mon lit. Mon lit. Et en gros, il y a des gens qui sont installés sur mon lit. T'as vu ton carton, t'as vu rien. Ils m'ont viré mon carton. T'avais quoi? Ton carton? Mais j'avais mon carton sur le lit. Mais en fait, ils ont mis mon carton, les gens. Mais non, mais ça se fait pas. Quand tu t'as fait le Doliprane, en fait? Non, mais attends, je vais voir. Je regarde, je fais, mais attends, c'est pas mon sac là. Mais c'est pas tes godes. C'est vrai. Mais en gros, genre, il y a juste deux mecs qui se sont dit on a envie d'être ensemble, ils vous ont jeté. Ben non. Mais c'est quoi ces godasses? C'est quoi, c'est quoi ces meufs? Clairement. Non, mais c'est des grands pieds, ça, regarde. Non, c'est mes pieds sont plus grands. On nous a virés, wesh. Il y a quelqu'un qui s'est incrusté sur notre lit. Hein? Mec, je vois, il y a des affaires, c'est pas les miennes, ils nous ont viré des affaires. On va à l'accueil, j'ai pris des photos. Ils ont enlevé mon carton et tout, genre. Mais c'est quoi cette blague? Non, non, mais. Mec, j'arrive, je vois ça sur le lit, je fais attends quoi? Ils ont mis vos affaires là en fait. Mais. N'êtes pas de moi. Non, pardon, je vais pas, je vais me battre là, je vais me battre. C'est quoi, c'est arrivé, wesh? Les draps sont utilisés, hein. Même poteau, y'a quoi? Mais oui, mais les draps ils sont utilisés, le mec il a foutu ses godasses sur mon plaid, wesh. Et ils, sont, ils ont enlevé nos cartons. Ouais, normalement en fait y'a des cartons là et y'a bah le nez. Mais il a mis un frigo, mais... quoi. On va aller fight. C'est fait gerter nos affaires. Sachant, c'est pas comme si on était parti deux jours, on est parti ce matin, quoi. Non, mais oui, non, mais je suis. Ça a été terrible. Let's go. Ah non, il y a le stagiaire. There is our name in the bed, our stuff in the bed, but we just arrived and... All of this and... Yeah. And put their stuff. Sistine. Il va venir dans 5 minutes dans la chambre. Respect, en fait. Outré. What the fuck, really? Non, ils se sont dit, non, on s'installe ici en fait, on est trop bien, on va dégager toutes les affaires. Non, mais oui! Imagine, genre là, on sort, on revient et ils dorment dans les lits. Oh, non, je m'assois sur leur gueule. J'en ai rien à foutre, je mets toutes mes affaires. Alors, là, je les réveille, hein, je me cherche une casserole ou un truc. Ah, je les réveille direct. Bonne nuit, les gars! Non, mais vraiment. Ah, je dirais qu'ils ont mis nos deux draps en fait. Non, non. Actually, we have a problem. Il a pas ses chaussures en fait. Bah, de toute façon, bah, si tu sont pas là, non. Bah, j'ai pas des chaussures non plus, pote, en fait. Hein. Il est parti sans chaussures, ça veut dire. Your shoes are here. Oh, thank you. Actually, the bed you put your stuff that's is so good, out. That's so good. Okay. That's fine. Where is your card? You put away? Oh, they're on FR. You. But, or? But yes, that's yeah, okay. I'll show you. I can show you, I've seen a chime. Yeah, is this the right? Après s'être douché et tout, on a enfin récupéré nos lits et du coup là on va aller, il y a un marché nocturne apparemment à Byron Bay. Du coup, normalement, s'il n'est pas déjà fini parce qu'ils finissent tout super tôt ici, donc on va aller voir. Il est à 18h. Voilà. Il est 21h14, mais ça se trouve c'est fermé. Pourquoi il est minuit? Ah non, mais ils démarrent leur soirée de boîte à 22h. Donc... Voilà le marché, super. Il y a des mouettes encore. Il est 21h15 et les restos ferment.
On se voit demain ou bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, c'était notre journée entre la Gold Coast et Byron, quoi. Ouais, ouais. Et on va aller se coucher. Enfin, on regarde encore un peu la mer. Parce qu'il est 22h et qu'en Australie, on se couche à 22h, quoi. Tout à fait, mademoiselle. Et ici, tout est fermé, donc... c'est l'heure voilà. De se coucher, quoi. Yes, du coup, je sais pas quand je vais pouvoir poster le prochain vlog, parce que là où on est, on n'a pas trop de wifi. On se revoit vite. Voire pas du tout. On n'a pas de wifi et pas de 4G. Mais à plus dans le bus, quoi. Vraiment. Clap. Mais non, là, Alice, c'est là.